Est-ce que vous connaissez Punch-Out? C'est une licence de jeu de boxe créée par Nintendo qui, à mon avis, est connue par très peu d'entre vous. Et il y a plus de chances que vous connaissiez son personnage principal, Little Mac, grâce à Smash Bros. Qu'à Punch-Out. Pour ma part, j'ai découvert Mac Tyson Punch-Out l'année dernière et j'ai adoré au point d'y rejouer des dizaines, puis des centaines de fois, et donc découvrir comment venir rapidement à bout des combattants en m'aidant des meilleurs speedrunners. Et pas le choix, j'ai découvert les autres versions sur lesquelles j'ai fait exactement la même chose. Je me suis donc lancé le défi de terminer les 4 Punch-Out sur console en moins de 3 heures. Si je précise console, c'est car il existe deux options sur arcade, mais pour avoir testé, j'ai pas trop apprécié. Nous retrouvons donc dans cette liste Mac Tyson Punch-Out, Super Punch-Out, Punch-Out Wii, et enfin Doc Lewis Punch-Out, le meilleur pour la fin. Pour tous les efforts fournis pour rendre cette vidéo possible, je demande juste en retour un like et un abonnement, et pourquoi pas un petit follow à ma chaîne Twitch, hein, tant qu'on y est. Je vous laisse donc avec le best-of du live, et vous souhaite un bon visionnage. Ok, c'est bon, tout est setup, on va pouvoir y aller avec le marathon. Je sais que je peux y arriver, mais ça va être compliqué quand même. Bon allez, j'espère que vous êtes prêts pour ce live d'anthologie. Alors, le marathon Punch-Out. Alors, deux, trois petites spécifications avant de commencer. Pour passer d'un jeu à l'autre, il faut juste que j'atteigne les crédits de fin. On n'est pas obligé de les regarder, mais dès que les crédits se lancent, je peux switcher sur le jeu suivant. Et le but, c'est de tout terminer en moins de 3 heures. Si je prends tous mes meilleurs temps cumulés, je fais sub 2h30. Sauf que bah, ce sont mes meilleurs runs et que je m'entraîne depuis 10 mois. Donc c'est pas dit que je vais forcément réussir ce marathon. On commence donc avec Mac Tyson Punch-Out sur NES, le premier des jeux que j'ai découvert, donc en théorie celui que je maîtrise le mieux. Alors oui, j'ai beaucoup d'entraînement, mais cela dit, ce jeu contient le combat le plus difficile des 4 jeux, le légendaire combat contre Mike Tyson, repris du boxeur du même nom, qui même avec des centaines d'heures à mon actif, est un challenge à part entière. Le jeu se terminera lorsque, après notre victoire finale, le jeu affiche à nouveau les combattants battus. J'ai peur de ne pas réussir, et c'est horrible, mais bon, j'ai pas trop le choix de m'en remettre sur ma capacité à réussir, quoi. Bon, on va pas rester là une heure, ça ne sert à rien de d'avoir la frousse, et on y va. Bon, c'est parti. Dans 3, 2, 1, go. Ok, c'est parti, on y va. Bon, par contre, c'est pas sûr que je commence la run, car pour bien commencer, je vais faire le bug qui permet... Enfin, un bug, plutôt une manipulation qui permet de faire Glass Joe en un seul coup. Et si je la passe pas, comme on est en début de run, on resettera. Bon, pour ceux qui connaissent pas Punch-Out, voilà les grands principes, quoi. On peut esquiver droite, gauche, on peut mettre des coups bas, des coups vers le haut, gauche, droite, voilà. Ok, j'ai raté, c'est pas grave, on reset, on est à un stade où on peut encore se permettre. Quand il bouge les deux pieds, je sais pas si ça passe. Si ça passe, la run commence. Ça passe, ok. C'est parti, on y va. Parce que vous allez voir que les temps des cinématiques, les temps où on va compter, ça va nous faire perdre énormément de temps. Ça va consister quasiment en environ 40% de la run, ce sera des temps de chargement. Ok, ensuite on a Von Kaiser, l'allemand. Ok, le but ça va être de choper 3 étoiles. Ensuite on le met KO en enchaînant un coup normal, enfin un jab, comme on appelle ça. Enfin un jab c'est plutôt dans le ventre, donc je sais pas comment on appelle les uppercuts, voilà. Les uppercuts. Et un coup étoile que l'on reverra dans Punch-Out Wii et Doc Lewis Punch-Out. Qui sont des coups qui mettent plus de dégâts et qui peuvent justement nous permettre de faire des techniques comme on le voit ici, qui mettent KO. Ok, c'est bon, Von Kaiser c'est fait. Ok, ensuite on a Piston Honda, alors lui... Le but justement c'était de faire ça, de le mettre KO une première fois. En fait lui il n'y a pas vraiment de stratégie particulière, mais juste... Je sais pas si ça repose sur la chance, mais... Voilà. Là, j'avais encore un coup étoile, et comme il s'est relevé que je lui ai mis directement, il est retombé KO une deuxième fois. Par contre, on peut pas faire ça 3 fois d'affilée, me semble-t-il, mais j'ai une autre stratégie pour le remettre KO une dernière fois. Il faut juste attendre, il fait ça. Et voilà. 1 minute 2, franchement, c'est pas mal du tout. Enfin, on est en dessous des 3 minutes 30, donc c'est très très bien. C'est un bon démarrage. Nul, ça joue sur émulateur. J'ai pas la console américaine, voilà. Alors ensuite, on a Don Flamenco, qui est un personnage qu'on va chaîner. Il y a une stratégie pour le battre plus rapidement qui a été créée par Zalard One, mais je ne la fais pas parce que je ne la maîtrise, mais pas du tout. Ensuite, là, il revient avec peu de vie, on esquive et on l'achève. Ok, GG. Je rappelle, dans les combats de boxe normaux, à chaque round, il faut être mis KO 3 fois pour perdre.
Sauf si on se relève pas après 10 secondes. Et justement, bah, vous verrez que... Il y a beaucoup de personnages qu'on ne va pas tri-KO, mais beaucoup qu'on va juste mettre KO. Alors ici, on a King Hippo, qui est un personnage pas très compliqué. Par contre, j'ai pas beaucoup de chance, là. J'ai vraiment pas eu de chance, parce que il a pas voulu me faire son attaque, là. Parce que le problème, c'est qu'il faut justement qu'il fasse sa deuxième attaque pour que je puisse le contrer. Et j'ai pas eu de chance, parce qu'il a enchaîné les coups du haut. J'ai mis beaucoup trop de temps pour ce combat, mais c'est parce que j'ai pas eu de chance, les gars. Alors ici, on a Great Tiger, alors lui, vous allez voir la stratégie. Voilà, c'est ça. Il y a une petite lampe au-dessus de sa tête. Le timing est très serré, mais si on arrive à le toucher avec ça, on chope une étoile. C'est scripté. Et avec ça, on le met KO une première fois. Et là, si on arrive à choper une autre étoile, on va pouvoir le remettre KO directement. Ça a marché une deuxième fois. Malheureusement, j'ai un peu flop le timing. C'est pas grave en vrai, je l'ai mis quand même deux fois rapidement KO. Peut-être qu'il y a moyen de le mettre une troisième fois vu qu'on est en dessous des 1 minute. Let's go! Ok, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Alors ensuite, on a Balboul. C'est le premier personnage en jeu normal qui pose un peu souci. Mais sauf que là, bah, j'ai train les jeux, donc je le connais par cœur. Là, voilà, on va choper des stars, on va le réattaquer. Ok, alors j'ai joué un peu petite bite, j'avoue, mais j'essaye aussi de jouer à la sécurité, parce que certes, il y a des stratégies, mais je joue la sécu. C'est un marathon, c'est pas une course. J'espère pouvoir le mettre KO avant son attaque spéciale, lui. J'ai raté. Ah, putain. J'ai raté. Allez. Yes! Ok. Non, ça va, ça va, ça va. J'ai réussi à recovery. On est en dessous des 10 minutes pour les deux premiers circuits. C'est un temps correct. La statue de la liberté. Et oui, Little Mac est new-yorkais. On arrive dans le dernier circuit de cette version. Alors, Piston Honda, mais on l'a déjà vu. Eh bien oui, car le dernier circuit fait revenir trois personnages qu'on a déjà battus, mais en plus dur. Donc du coup, je peux pas le battre aussi facilement qu'avant. Là, il va falloir se concentrer un peu plus. Là, par exemple, j'ai déjà flop, quoi. Mais en vrai, ça va, il est pas si difficile. Oh, alors là, j'ai fait un trick. Peut-être que je l'ai mis KO en un coup. Si ça, s'il se relève pas, c'est gagné. C'est passé. Je lui ai fait en 1 minute. Alors, en fait, je vous explique. Tout simplement, il a une attaque spéciale qui s'appelle... je sais plus comment elle s'appelle, peu importe, on s'en fout. Mais si vous arrivez à le counter, et je crois que ça joue à quelques frames, ça le met KO, peu importe sa vie restante, peu importe tout. Et là, ça tombe direct, ça fait plaisir. Ensuite, on a le russe Soda Popinski, mais dans la version arcade, il s'appelait Vodka Drunkensky, donc le buveur de vodka. Mais bon, comme on est sur console... De salon, ils se sont peut-être dit, bon, buveur de vodka, ça le fait pas trop, l'alcool et Nintendo. Bon, Mais l'alcool est mis chez les jeunes aussi, là. Alors là, j'ai également fait une stratégie qu'on retrouvera également dans Punch-Out Wii de manière un peu différente. Sachez que là, tout est scripté, ce que je fais. Parce que normalement, lui, il est un peu chiant à faire, mais on peut faire cette stratégie. Alors, il faut également un petit peu de chance, parce qu'il peut décider de... ne pas faire le combo qu'on a vu, donc c'est-à-dire deux coups du dessus et deux coups en bas. Il peut également décider de faire autre chose et là il faut s'adapter. Ça va, en vrai, Mike Tyson Punch-Out pour l'instant se passe bien. Pour l'instant, hein, ça peut très vite mal aller. Le temps passe vite. Hein. Ok, donc là c'est Balboul Revenge. Alors Balboul Revenge, je le trouve pas plus difficile que le combat de base, pour être honnête. Alors là vous allez voir la stratégie. En fait, il nous bloque, mais on peut choper des coups étoiles si on fait le bon timing. Et là, il esquive plus les stars. Parce qu'elles sont plus dures à obtenir, donc du coup, bah, on peut en choper facilement. Et là, on le met KO. En vrai, là, c'est un très bon début pour ce combat. Alors là, dès qu'il se relève, on est sûr de choper une étoile, donc on le tape direct. Là, on le retape, choper une étoile. Ok, déjà deux fois. Donc j'ai encore... 42 secondes pour le mettre KO une dernière fois et ne pas avoir à me taper la balle boule. La boule charge, pardon. GG! Eh, j'ai fait un no hit! Ok, alors, Don Flamenco Revenge. Alors, il est un peu chiant parce que ce perso tape très lentement, ce qui fait que le temps de ses attaques est long, donc pour les esquiver, c'est plus compliqué. Alors, pour choper des étoiles de manière sécurisée, on fait comme ça. C'est-à-dire qu'on... On esquive le premier coup, et ensuite on peut taper deux coups sur son torse. Alors,
En vrai, c'est pas un mauvais démarrage, mais si je le mets pas KO au premier round, ça va être très long. Il faut savoir que du coup, si on arrive au deuxième round, il faut remettre KO 3 fois en fonction du personnage. Alors pour l'instant, j'ai réussi pas mal de coups. Maintenant, on peut le taper vers le dessus. Sauf que des fois, il veut pas. Ce qui nous fait perdre du temps et des cœurs pour pouvoir attaquer derrière. Si je peux encore faire un dernier... Let's go, first round. Premier round, 2 minutes 30, c'est pas mal du tout. Bon, Mac Tyson Punch Out, il reste 3 persos à faire, mais vous allez voir, ce sont tous les 3 des cauchemars. Mr. Sandman est très compliqué, mais si je le fais en no-hit, il y a moyen de le faire en un round. Alors on va abuser d'une mécanique pour pouvoir lui enlever des PV rapidement, qui est celle-là. Alors on le tape vers le haut... Puis on va à droite, on revient et on lui met un coup dans le torse qui met plus de dégâts et qui fait plus rapidement que si je lui tapais 3 fois dans le torse. Là le but c'est de le mettre KO une première fois avant 1 minute 30. Je pense que ça passe. Ça passe, ok ça passe. C'est pas mal du tout. Maintenant il va falloir esquiver une attaque qui s'appelle le Dreamland Express. Ok j'ai raté, bon on le fera pas first round malheureusement. J'ai raté, je suis un flopper de merde. Et c'est con parce que ça passe... Ça passe pas, mais à pas grand chose. Hein. Regardez la vie qui lui reste. C'est juste parce que je me suis pris sa connerie d'attaque Dreamland Express. Hein. Un coup en plus et c'était bon. Regardez sa vie restante. Ça, c'est un coup. Ok, j'ai réussi à esquiver. Donc là, on le met KO et il va falloir refaire pareil une deuxième fois. J'ai raté, mais en soi, c'est pas grave. On peut quand même l'enchaîner rapidement. Regardez. Tu as perdu, Sandman. Allez. Ok, on est à 19 minutes, c'est très très bien. On voit quand même qu'il y a eu un peu d'entraînement derrière, hein, parce que je pense que quelqu'un qui a juste fait les jeux une ou deux fois, il aurait déjà pris un KO. Ok, alors Super Macho Man, alors là, il est pas encore très prononcé, parce qu'ils sont sur NES et c'est compliqué. Mais c'est littéralement, je crois, mon personnage préféré de la licence, avec Little Mac et Doc Lewis. Alors le but va être de choper des étoiles. Là, malheureusement, j'en ai pas eu. Mais en faisant ce qu'on appelle des delayed punch, il y a moyen d'en choper un, donc des coups avec un délai. Là par exemple, voilà. Là on peut lui en mettre un. Mais j'en ai perdu une, parce que oui, quand vous avez des étoiles et que vous prenez un coup, vous perdez votre étoile. Alors là, il est en train de charger une attaque, donc du coup, voilà, je peux le mettre KO. C'est ça que j'attendais. Alors là, voilà. Il aurait pu faire cette attaque 8 fois. Là, ça va, il l'a fait que 3 fois, donc je perds pas trop de temps. Et voilà, là on peut mettre un coup étoile. Malheureusement, ça passera pas au premier round, mais c'est pas grave. Alors également un trick qu'on n'a pas encore utilisé parce que on n'est pas encore allé en deuxième round. Sauf contre Sandman, mais je l'avais pas du tout utilisé en fait. Si on appuie sur Select entre deux rounds, on récupère cette façon aléatoire. Ça peut être toute ta vie, tout comme rien du tout. Mais on récupère un peu de vie, là ça va, j'en ai récupéré pas mal. Oh, j'ai réussi à esquiver, mais ça va, là j'ai pas eu un lag tel Google Chrome. Ok, et de deux... Ok, plus qu'un. Let's go! Let's go, on est en dessous des 25 minutes pour Mac Tyson, mais... Mac Tyson, je vais vous le dire, il y a des chances que je perde. C'est le combat le plus... Mais cela dit, pour Mac Tyson, il y a un cheat code, enfin un code à entrer dans le menu pour pouvoir le farmer en boucle, et je le connais par cœur. Donc voilà, là on a obtenu, on a battu Macho Man, donc on est un nouveau champion, et nous voici dans le combat de rêve pour Mac Tyson, qui est une purge, je vous explique. Pendant la première minute 30, Mac Tyson enchaîne les coups rapide à mort. Il faut vraiment avoir des flex de malade, et il te one-shot. Donc pendant 1 minute 30, le but va être de ne pas prendre 3 KO. Alors heureusement au début les coups on peut les anticiper mais après ce sera plus le cas et voilà et ça commence. C'est d'ailleurs pour ça que je ne le tape pas non plus hyper vite quoi. Le but c'est d'économiser la moindre petite seconde. Ok j'ai plus que 30 secondes à tenir. J'ai plus que 30 secondes in-game à tenir, c'est pas vrai 30 secondes. On n'hésite pas, cheat code. On redémarre direct. Je l'avais dit, ce combat est horrible. Allez, j'ai 8 secondes à tenir. C'est bon. Normalement, j'ai gagné, il faut juste pas que je floppe.
Alors, on le mettra jamais KO au premier round. Il faut savoir que même les speedrunners, des fois, ils ont pas facile à mettre KO au premier round. C'est possible, mais tellement difficile que il y a qu'une poignée de personnes qui arrivent. Ok. Alors, on va réutiliser la strat de bouffer une barre de chocolat en appuyant sur Select entre le round. Si je gagne ce round, on est à 30 minutes. Et c'est pas mal du tout pour un marathon, je vous le dis. Allez. Je déstresse, je connais le combat par cœur à partir du deuxième round. Donc là, on chope des étoiles pour après. Et pendant ce temps-là, on grappille un peu des dégâts. Et 2-1. Ok. J'ai 3 coups étoiles, si j'arrive à tous les utiliser, normalement je gagne. Sur ce round. Wouhou ! Je peux encore prendre un KO si jamais. Il faut savoir que dans le combat contre Tyson, exceptionnellement, le jeu te laisse la possibilité de mourir 3 fois au total, mais pas sur le même round par contre. 1, 2, 3, 4... On bloque, 1, 2, 3, 4. On bloque, 1, 2, 3, 4. On bloque, let's go! Ok, je démarre l'émulateur SNES. Time, je tremble. C'est pas une blague, je tremble à creux. Le deuxième jeu est Super Punch-Out sur Super Nintendo, qui se rapproche plus d'un jeu d'arcade que console dans son style. Selon moi, c'est le Punch-Out que je maîtrise le mieux, ce qui n'est pas étonnant car les combats sont beaucoup plus courts sur cette version si on la maîtrise. Le jeu se termine lorsque les crédits se lancent. On a fait 28-44, c'est pas mal du tout. C'est parti pour Super Punch-Out. C'est littéralement le jeu de la liste que je connais le mieux. Parce que l'avantage, c'est que les combats sont beaucoup plus courts en termes de qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est basé sur de l'arcade. Ce qui fait que tous les combats sont... Alors là, j'ai raté un truc. J'ai raté la possibilité de le mettre KO là directement. Mais c'est pas grave, bon, j'ai raté, ça fait un peu chier, on perd 15 secondes, 20 secondes peut-être. J'ai déjà raté, ça commence très mal. C'est dommage, j'ai déjà raté le premier KO quoi. Mais vous allez voir, Super Punch-Out, c'est que des stratégies de baiser. Et c'est justement ça que j'adore. Par contre, c'est exécution parfaite. Hein. Ok, alors ensuite nous avons Bear Hugger, qui est pas très difficile. Si je suis littéralement ma route habituelle, je gagne. On commence par le taper au-dessus, il se défend, je le tape dans la tête 5 fois. Ensuite, dès que possible, je le tape sur le bidou dès qu'il nous en laisse l'occasion. On met un super coup. Tac, on remet un super coup. Ok, ça va. Là, il a fait la bonne attaque. Là, je le bloque, il est stun. Là, j'attends un peu, il est re-stun. GG. Il va pas se relever. Alors il y a des stratégies qui sont plus rapides avec le timer qui est indiqué à l'écran. Mais en temps réel, il faudrait le mettre KO 2 fois. Et le temps que l'arbitre compte, bah, j'ai testé et c'est plus rapide de faire comme ça. Et plus fiable aussi. C'est plus facile à exécuter. Alors ensuite, perso le plus simple du jeu, si j'ai le bon timing, Piston Hurricane, vous allez voir la stratégie, elle est totalement baisée. Il a l'air intimidant un petit peu quand même, hein. On dirait ton voisin avec des muscles. Alors, donc on le tape dans la tête, il est sans défense. Et voilà. C'est pas fini, cela dit, il va se relever, mais vous allez voir que... Et voilà, ah, il est mis KO, il va pas se relever. Voilà, c'est la stratégie pour Piston Hurricane. Voilà. La majorité des combattants va plus passer de temps avec l'arbitre, avec la musique, avec le déroulé, que vraiment à combattre. Hein. Ok, Balboul qu'on a déjà vu dans Punch Out NES 2 fois. Alors il est pas facile, j'avoue, des fois je prends des coups sur lui, alors qu'il est du premier circuit. Mais si je suis ma route, ça va. Ok, j'ai raté ma route, déjà, commence bien. Ok, ça va, j'ai réussi un petit peu à redresser. Normalement, il y aurait marqué 8 secondes et quelques sur le timer si j'avais fait ma route habituelle, mais ça va, j'ai pu trouver une alternative. Alors là, on a pris un coup, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, dans ce jeu, c'est le premier où, dès que votre adversaire est KO, vous pouvez récupérer des PV en spammant les touches d'attaque. Alors là, c'est pas compliqué, faut counter. Let's go! Alors, dès qu'on entend deux bruits de pas, il faut le taper. Bon, premier circuit à part Gabby J où j'ai pas pu faire la strat habituelle, c'est bien passé. Il faut également savoir que je n'ai pas le droit à la défaite, sinon je n'aurai pas accès au dernier circuit. Enfin, sur les 3 premiers circuits, je peux pas perdre. Voilà.
Ok, Bob Charlie, alors il est facile, s'il danse pas, mais s'il se met... Alors déjà, j'ai raté ça, je suis peur. Ne danse pas. Voilà, il danse, il danse. Donc, je dois improviser une stratégie. Arrête de danser, enculé de ta race, va. Putain. Ok, ça va. J'ai réussi à relever un peu, mais en gros, s'il danse pas, vous pouvez le battre en 5 secondes. Alors, il se peut qu'il ne se relève pas, c'est peut-être un peu trop tard, mais pas impossible. Non, ça va, il se relève pas, il retombe. Il y a d'autres persos qui nous feront ça, ils font mine de se relever, et en fait, non. Bon, en gros, c'était un combat merdique. Je vais le dire, j'ai beau finir full vie et tout le bazar, je suis quand même niqué. Et également, je joue sur un jeu où j'ai tellement de records que on esquive tous les temps de chargement, enfin tous les temps où le jeu te montre le tableau des scores. Parce que c'est quasiment impossible que j'égalise mes records. Hein. Let's go, là j'ai eu le timing perfect. Donc ça c'est une strat, mais à 2-3 frames, peut-être un peu plus, mais à quelques frames en tout cas, j'aurais dû continuer à le taper. Alors là j'ai raté, mais c'est pas grave. Oh, j'ai raté. Alors là, je suis un flopper. Peut-être que du coup, il va lui falloir... Oh putain, mais je suis un flopper de merde. Ok, non, il faut le battre en 3 fois. En plus, là, il est esquivé. Mais là, j'improvise une strat, hein, je vais le dire. J'ai improvisé une strat, hein, là. Franchement, ça va arriver souvent, ça. Par contre là, le Major Circuit, j'enchaîne vraiment deux combats de merde. Hein. Là on arrive sur Max Muscle. Alors Max Muscle, franchement, il est pas difficile, mais le problème c'est que s'il veut, il peut m'empêcher de gagner rapidement, voilà. Voilà, comme ça par exemple. Ah, voilà. Il a décidé qu'il voulait pas que je gagne directement. Ah oui, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais différence par rapport à Super Punch-Out, ici, c'est pas des étoiles qu'on a, mais c'est une barre de super coups. Si on la charge, on peut en faire. Mais si on se fait taper, on la perd. Et là, c'est cool parce que du coup, comme j'ai pu le mettre KO rapidement, et en plus que j'ai mis un super coup pour le terminer, il s'est pas relevé une troisième fois, donc on évite encore un sifflement de l'arbitre. On enchaîne sur Mr. Sandman. Alors, Mr. Sandman, c'est pas compliqué, je suis mon script, on le fait en 40 secondes. 4 coups vers le haut. Let's go. C'est bon. Ok. Alors déjà, je le mets KO une première fois et je lui enlève toute sa barre de vie qui est longue. Rien qu'en faisant cette simple action. Tous ceux qui ont l'impression que c'est facile, essayez de jouer comme je le fais. Vous allez voir que non, c'est pas facile en fait. C'est juste des centaines, voire peut-être pas milliers, mais centaines d'heures d'entraînement. Alors là, je vais jouer un peu plus la sécurité pour la fin du match. Alors là, j'ai réussi à l'esquiver. C'est pas mal du tout. Let's go. On a réussi à pas prendre de coups, ça se fait plaisir. On a fait la moitié des combats de Super Punch-Out. Disons que là, il y a quand même 3 combats qui ont pas été. Ça fait un peu chier. Alors, Aaron Ryan, vous allez voir. S'il est gentil, on gagnera rapidement. Premier KO. Alors là, il faut qu'il soit gentil. Il a été gentil, ok. Alors en fait, simplement, il faut le taper au moment où il bouge ses poings, mais sauf que c'est aléatoire, je ne peux pas l'anticiper. Et là, j'ai plus qu'un coup à lui mettre pour gagner. GG. Franchement, Aaron Ryan, ça a très bien été. Ça arrive beaucoup plus souvent que je me plante et que ça prenne 30-40 secondes au timer, que ça arrive que je l'enchaîne parfaite comme ça. Alors, Eke Kagero, un timer très 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 court. Si j'arrive à le faire, c'est magnifique, et si j'arrive pas, bah, ma foi, faudra improviser. J'ai réussi. Yes. Et de deux. GG, AK Kagero, franchement très très bien pour un marathon, 12 secondes, c'est parfait. Alors Matt Clown est très très chiant. Il est pas si difficile en tant que tel, mais est tellement relou. Ah.
J'attends une chose, c'est de réentendre, c'est une run de merde. Alors pour l'instant, non, c'est une très bonne run. Jouons la sécurité, jouons la sécurité. En plus, là, il va revenir avec pas beaucoup de points de vie parce qu'il m'en a pas infligé un seul. Ensuite, là, il veut nous attaquer, mais ça marche pas parce que c'est un flopper. Terminé, voilà. C'est pas terminé, hein, ça veut dire, je précise. Il y a encore 3 combats où j'ai un peu peur. Et celui-ci en fait partie. Super Macho Man me fait très peur sur SNES. Pour moi, c'est le Macho Man le plus dur. Même si on est sur la version où les combats sont les plus rapides, c'est le plus dur. Alors déjà, j'ai raté la stratégie pour le mettre KO rapidement. Je peux improviser un truc, cela dit. J'ai improvisé un truc. Et j'ai improvisé un bon truc même. Let's go! Bon, il m'a interrompu un peu dans ma session perfecte, mais bon. Donc là, voilà. GG! GG! Wouhou! Bon, ça aurait pu être 1000 fois mieux, mais franchement, pour un marathon. Pour l'instant, il n'y a aucun combat où j'ai été au-delà d'une minute, je crois. Alors, on arrive aux 4 derniers combats de ce jeu. Je peux prendre des défaites maintenant, vu que j'y suis, j'y reste. Hein. Alors, Narcisse Prince, vous allez voir, c'est le plus facile de ce... C'est le plus facile de ce championnat, en fait, il faut juste le faire rentrer dans sa face où on lui touche la tête, parce qu'il aime pas qu'on lui touche la tête, parce que c'est Narcisse, hein, si vous ne connaissez pas la ref à Narcisse, bon... En gros, Narcisse, tu vois, c'est celui qui clame haut et fort qu'il a un magnifique visage et que, bon, il est précieux, quoi, voilà. C'est un peu les influenceurs TikTok. Alors là, j'ai pas réussi à le faire rentrer dans sa phase rapidement, malheureusement, c'est pas grave, juste un flopper. Bon, on a perdu un peu de temps, mais on a toujours pas pris de PV, donc ça va. Ça va. Okay. Par contre, là, je sais plus trop quoi faire, du coup, vu que j'avais pas prévu que j'allais rater cette attaque comme une petite merde. Pas mal. GG. Ok, Oikwarlo est le avant-dernier personnage qui peut vraiment me casser les couilles. Parce que s'il a pas envie que je gagne, il peut ne pas me faire gagner facilement. Ok. Alors 20 secondes, c'est lent pour le mettre KO la première fois, mais dites-vous que c'est bien plus rapide que la majorité de mes tries sur lui. Hein. Ok, 2-2. C'est pas mal. Ah putain. J'aurais dû jouer autrement, au moins on n'aurait pas eu à se taper ça. GG. Alors, le premier des frères Bruiser, alors Rick, n'est pas très difficile si je réussis mon script, mais ça c'est tous les personnages ça. Pour l'instant ça passe, on le counter là, tac, là, et voilà, ok. Let's go, premier KO. En vrai, mettre KO directement aussi rapidement, ça t'assure déjà une victoire quoi. Ok, 2, c'est pas mal hein, pour une try sur Bruiser, franchement. GG. GG! Qui se rappelle quand je jouais à Super Punch-Out et que je trimais ma race? Ou même qui se rappelle quand je jouais à Mac Tyson Punch-Out et que je trimais ma race? Bon, Nick Bruiser, boss final. C'est un pile ou face. Et je vais dire dessus. Et il a fait un dessous. Ok, c'est raté. Bon, alors on va devoir le faire de manière normale. J'ai fait 3 pile ou face qui sont pas passés alors que normalement c'est le coup du haut qui privilégie. Hein. Vraiment. Hein. Je pense pas que tu puisses faire plus malchanceux que ça à ce stade. Ok, là on esquive parce que là quand il plonge ça nous one shot. Ok, super, je ne peux plus taper avec mon autre bras. Bon, malheureusement pour Nick Bruiser, bon c'est vrai, c'est une run de merde. Oui, c'est une run de merde, mais parce que j'ai pas eu de chance au début sur le pile ou face, j'ai été haut en haut, il a été en bas, bon bah voilà quoi. Oh.
Et là, on revient dans la première phase. On est revenu dans la première phase, hein, si jamais... GG. Ok, la Wii est démarrée, je prépare tout ça. Alors, mais avant ça, il faut quand même atteindre les crédits. Ok, c'est pas mal. On a 50 minutes. Putain. Ah ouais, je suis bon. Hein. Ok, grouille-toi, j'ai envie de jouer à Punch-Out Wii. Normalement, j'espère que la Wii est encore allumée. Ok, c'est bon. On enchaîne avec un gros morceau, Punch-Out Wii, qui est celui sur lequel j'ai le moins d'heures d'entraînement, car je ne l'ai fini que très récemment, alors que paradoxalement, c'est le jeu le plus long de la liste. Pourquoi est-il plus long, me demanderez-vous? Eh bien, il n'y a pas plus de combattants, mais le jeu dispose de deux parties dans son monde histoire, la conquête du titre, mode classique, et le mode Title Défense, où on réaffronte tous les combattants avec plus de points de vie, une plus grande variété d'attaques, et qui en plus font plus de dégâts. Pour valider une run sur ce jeu, il faut suite au mode défense du titre, faire 3 défaites en mode infini pour que Little Mac prenne sa retraite et ainsi finir le jeu et afficher les crédits. Alors Punch-Out Wii est le jeu Punch-Out le plus long, tout simplement parce que il y a deux combats à chaque fois, parce que vous allez voir qu'il y a le mode classique mais également un mode qui s'appelle le Title Défense, dans lequel on refait tous les combattants depuis le début, mais en mode beaucoup plus difficile, ce qui pas double la durée de vie mais même encore plus tellement ils sont difficiles. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, hop, putain, j'ai raté, attends, quand on rate c'est pas grave, parce que dans ce jeu on peut recommencer les combats directement, j'ai raté, j'ai eu un doute. Vive la France. En fait, tout simplement, si j'avais counter là, avec 2 étoiles, il serait pas KO, et j'aurais pas pu en choper une troisième entre temps, donc autant redémarrer le combat. Quand on sait qu'on risque de gagner plus de temps à redémarrer que à faire le combat de manière classique en continuant. J'espère que ça ira avec la Wiimote, mais bon, ça va, y a pas grand chose à faire. Alors, Von Kaiser, un peu comme sur NES, vous allez voir, il y a une stratégie pour le battre avec des coups étoiles. Et vous remarquerez également, ce jeu a des animations avant le combat pour nous introduire le personnage et à la fin du combat pour le KO. Vous verrez qu'il y en a certaines que j'apprécie beaucoup. Donc là on fait un trick pour spammer les... enfin pour farmer les étoiles. Ensuite on fait ça, on attend. Et également, bah, vous l'aurez remarqué, mais les personnages parlent leur langue du pays quoi. Ils parlent leur vraie langue, c'est-à-dire que Gladjo, bah, il est français, il parle français. Von Kaiser est allemand, il parle allemand. Ça va être ça tout le jeu, hein. Ce qui fait que des fois, bah, à moins d'aller voir une vidéo qui explique qu'est-ce qu'ils disent, bah, on comprend pas. Alors, Disco Kid est pour moi le... pas le perso le plus simple, mais on est au même niveau que les deux précédents. Si ce n'est que lui, il faut le mettre KO en 3 fois. Pas de... Alors là, j'ai fait exprès de retarder un peu mon super coup, parce que sinon, ça ne l'aurait pas mis KO directement. En fait là, il y aurait eu moyen de choper l'étoile directement en le contrant, même sans avoir besoin de lui mettre les 5 coups et de le renvoyer à droite. Mais je le maîtrise pas, j'ai du mal, donc comme c'est incertain, je préfère faire comme je l'ai fait là. Et la différence de temps est infime. On n'a même pas une heure, on est à King Hippo, c'est bon. Le but c'est de lui mettre un maximum de dégâts rapidement. Comme ça on va pouvoir le counter. Vous allez voir. Bah, j'aurais dû ne pas lui mettre ce coup, c'est pas grave. Là normalement, il va comment ? On va pouvoir finir le match. Attends. Hop. Et de 1, il faut faire ça 2 fois, ce que je viens de faire. Et c'est final. Parce que comme dans la version NES, il se relève pas d'un coup. First try. Oh, let's go. Hey, great work, Mac. Now let's take down the next circuit. Entre chaque circuit, on voit l'entraînement de Mac. Qui ne change pas d'ailleurs. Hein. Il a 18 balles, regardez les bibis là. Le premier tournoi n'est pas difficile, c'est surtout le mode Title Défense qui va poser problème.
Mais les combattants en mode classique, c'est une vaste blague. Je vous le dis. D'ailleurs, ce que vous voyez là, c'est une des raisons pour lesquelles Punch-Out aurait du mal à sortir aujourd'hui, parce que c'est des clichés, mais qui sont faits pour en rire, justement. Là, une étoile aurait suffi, mais pour, histoire de pas attendre une heure qu'il soit là à attendre, autant choper la deuxième étoile. Les deux. Et là, le dernier, si je suis pas un flopper, je peux le réussir directement en contrant son attaque. Let's go. Sub 2 minutes, enfin sub 1 minute du coup. Alors, Bearhugger est très facile dans le mode classique, mais vous allez voir dans le mode title défense. C'est mon deuxième run killer avec Mike Tyson, même si je l'ai pas mal traîné hier et ça se passait bien, mais c'était hier. Alors ça, c'était juste pour voir si ça pouvait passer. Parce que ça, c'est un coup de chat, mais et c'est pas prévu, hein. Enfin, c'est un coup de chat. J'ai traîné un peu, mais je voulais pas me baser sur ça à la base. Voilà, en gros, il faut avoir une étoile et attendre qu'il nous provoque avec son tir. Maintenant. Par contre, c'est vrai que l'action au début était stylée, mais ça change rien à son script, malheureusement. Mais c'était stylé. C'était stylé, quand même. Alors, Great Tiger n'est pas si difficile. Enfin, en vrai, dans le mode classique, je le trouve plus difficile que dans le mode title défense, ce qui est une fraude, hein, quand même, faut le dire. Raté. Oh le bâtard, ce combat vraiment je le déteste. Mais putain! Oh je déteste ce combat et son attaque, là j'arrive jamais. Putain de mec. C'est le seul combat en mode classique où je galère à chaque fois. Oh mais ta mère la pute. Et de une, putain merci quoi. C'est pas si difficile hein, mais bon, j'ai du mal avec lui, je ne sais pas pourquoi. J'en ai marre de galérer sur lui, vraiment je vous le dis. Donc je vois plus ce que ma souris fait quoi. Alors ça oui, ça peut arriver aussi quand tu l'as mis KO hein, à un nombre suffisant de fois entre les différents rounds, à un moment il se laisse mourir quoi. Alors vous allez voir, Don Flamenco, c'est littéralement Glass Joe s'il avait une ceinture quoi. Si c'est pas un flopper. Ok, mais cela dit, c'est pas fini. GG. Parfait. C'est parfait. Y'a pas d'autre mot. Alors, Aren Ryan est plutôt chiant, mais si j'arrive à exécuter correctement la stratégie pour le battre en deux KO, c'est gagné rapidement. Bien. Bon, on va devoir exécuter une stratégie, mais elle est tellement difficile pour moi, je galère vraiment dessus, que même si elle passe pas, je continue le match et on s'en fout. Que réussir. Oh, let's go! J'ai eu le bon timing! Alors, je dirais que Soda Pop, en soi, il est pas facile, parce que ça m'arrive des fois d'inverser un peu l'exécution des deux combats qui sont... qui se ressemblent dans le fond, mais sur la forme, ils sont diamétralement opposés. Allez, viens ici, Soda Pop. Let's go. J'ai réussi First Try, ça fait plaisir. Oh, mais ça c'est aléatoire aussi. C'est aléatoire aussi, je passe trop 4 fois.
Ah oui, aussi si on lui met un coup étoile, il recommence et c'est avantageux. Parce que ça permet de l'enchaîner un peu plus vite. Ça permet de l'enchaîner justement, de lui mettre des coups étoiles. Il est rouge parce qu'il est énervé parce que je lui ai enlevé sa bouteille. Un coup de gars, un truc comme ça. GG. On est en dessous des 2 minutes pour ce combat, c'est pas mal. Ok, alors on a bat le bulle. Alors, il est pas si facile que ça. Faut juste pas que je me fasse avoir. Oh man! C'est bien un KO. C'est une manière sécurisée ce que j'ai fait là. Franchement, j'aurais pu jouer encore mieux, mais. Disons que, histoire d'être sûr de ne pas perdre mes 3 étoiles, j'ai préféré les utiliser dès que possible. Ok, on est bien. On est en dessous des... on est en dessous de la minute pour les deux premiers KO. J'arrive pas parce que je crois qu'il est plus rapide dans le mode title défense et je... disons que j'ai envie de taper vite. Ok, ça va. Bon, j'ai pris un KO malheureusement, mais c'est pas grave. Alors le perso le plus drôle, Super Macho Man, il était déjà drôle de nom. Et selon ses commentaires entre les combats ou avant les combats sur la version NES et SNES. Mais là, vous allez voir sa cinématique. J'adore quand il est introduit avec ses gros pieds. C'est les clichés à mort, mais j'adore. D'ailleurs, je vais laisser sa cinématique d'intro de combat. Vas-y. Are you ready? Cause I'm gonna put on a show. J'adore. Alors étonnamment, Super Macho Man est pas si difficile. Franchement, c'est juste quand tu connais pas le combat, mais sinon il est facile. Super Macho Man. Ok, on va l'achever, on va l'achever d'une belle manière, regardez. Tac. Yes. Donc oui, si vous esquivez deux fois puis que vous faites un coup étoile, peu importe votre nombre d'étoiles, votre Little Mac va esquiver le coup pour vous et l'achever. Alors, Mr. Sandman, donc littéralement c'est Régis dans Pokémon, avec 1000 fois plus de charisme, en gros il a tout battu avant toi, et il t'attend. Parfait. Ça va être ça tout le match, hein, donc accrochez-vous. Et de deux. C'est pas excellent, mais ça passe. Afraid. Oh putain, j'ai failli me le prendre. Ça se passe pas très bien là la suite. Hein, GG. Ok. Bon, on a fini le mode classique, mais beaucoup trop simple par rapport au mode title défense. Vous allez voir, on va en chier en mode title défense. Ok, donc là on a 5 minutes à poireauter. 1h20. Oh, j'y étais dans mon estimate, let's go. Mais là on arrive dans le deuxième mode où il va falloir défendre notre titre, le title défense littéralement. Hey, great work Mac. Now let's take down the next challenger. Left right, left right. That's it baby. Push it out Mac. Come on, push it out. Faster, faster. Come on, you can do it. Ça c'est moi ça. Merci Doc Louis. Plus vite, ne t'arrête pas, tu peux y arriver. Keep it up, Mac. Keep it up. Ça c'est ma mentalité.
J'explique vite fait le mode title défense, même si je l'ai déjà dit. Les mêmes combattants, mais en plus dur, et avec des nouvelles strats, plus de points de vie, et de trucs chiants. Donc voilà, Gladjo, en gros, c'est un casque et on peut pas le taper sur la tête tant qu'on l'a pas enlevé, cela dit. Vous allez voir, la stratégie pour le battre, c'est totalement débile. Alors, la stratégie pour le battre, c'est ça. Et on enchaîne. En fait, quand le casque devient jaune, on peut rechoper une étoile et on peut l'enchaîner comme ça. Et on peut faire entre 4 et 5 coups, donc en gros, ça a été calculé pour qu'on tombe pile sur une étoile lorsqu'on met KO la première fois, donc c'est-à-dire qu'il faut faire 2 fois 5 coups, puis enchaîner l'étoile, et puis 3 ou 4 fois... 4 fois. Là, c'est que du 4 fois. Ça a été calculé tout ça. Alors il existe une stratégie plus rapide, j'aurais juste pu choper 3 étoiles et contrer son mais vive la France. Mais choper 3 étoiles n'est pas si facile en vrai. Et surtout, c'est une strat de speedrun et même si le but c'est de terminer ça en moins de 3 heures, je me dis autant essayer de se rapprocher le plus possible du niveau d'un speedrunner confirmé. Parce que les speedrunners ne se basent pas sur le temps réel du jeu, mais se basent sur les timers qui sont indiqués lorsqu'on termine les combats. Alors Von Kaiser, qui a un putain de style, on rappelle ce mec à la quarantaine, regardez comment il est entretenu, là, c'est piscoto là. Alors là, la stratégie est diamétralement opposée. Si je chope 3 étoiles et que je le tape une fois, il est stun et je peux le terminer avec 3 étoiles. Attaque ! Je crois que j'ai réussi. Voilà, donc en gros j'ai chopé les étoiles avant de le mettre KO, ce qui fait que là, dès qu'il va me faire son attaque, j'esquive, je tape une fois dans son torse et on l'achève. GG. Parfait. Combat parfait. Alors, Disco Kid, title défense. Il y a une stratégie pour le mettre KO en deux fois. Alors, Disco Kid, du coup, qui s'est mis à la danse, box, je sais pas comment on peut appeler ça. Sauf que ça l'a pas rendu plus fort pour autant. Ok, c'est pile ce que je voulais faire. Alors je vous explique, en gros, si j'avais utilisé mes étoiles pour le mettre KO, j'aurais pas pu en avoir 3 et pouvoir le mettre KO comme ça. J'en aurais eu que 2 et ça aurait pas marché. Alors du coup, King Hippo il triche parce qu'il a une bouche d'égout, ce qui fait qu'on peut pas le taper sur le vent, et on va lui enlever, comme ça. On lui enlève. Intuition pour lui enlever, ça va. Maintenant, faut juste faire gaffe. Alors, on va garder l'étoile, vous allez vite comprendre pourquoi. T'as un vif, y a encore un peu à attendre, mais c'est pas fait au hasard, quoi, le fait de garder l'étoile. Parce que je suis pas sûr d'en choper une deuxième. Parce qu'on peut en choper une deuxième, mais j'ai plus vraiment le timing en tête. Donc là, on esquive, hein. Faut que je chope la deuxième. Putain, elle était là. Elle était là, je l'ai raté. On va devoir le mettre KO normalement. J'ai perdu énormément de temps. Normalement, en fait, je vous explique.
si j'avais eu une étoile, enfin je mettrais une image à l'écran pour la vidéo, mais si j'avais eu une étoile, j'aurais juste eu esquiver justement sa charge quand il nous fonce dessus, en faisant bas à gauche, puis je mettais un coup étoile et c'était fini. Et comme je l'ai perdu bah, et que j'ai pas réussi à en choper, bah... Ok, Piston Hondo, Revenge. Alors Piston Hondo est pas si facile, je vais être honnête, à faire rapidement. Il est pas difficile, non, pas du tout. Mais pour le faire rapidement, c'est pas si facile en vrai, parce que regardez comment il s'entraîne le gars. Il bouffe à crever et il va plus vite qu'un putain de TGV. Alors là, petit bug pour choper deux étoiles. Alors là, on le trigger. Ok, ça va, c'est un bon démarrage. Alors, je viens de faire un frame perfect. Malheureusement, bah, il avait plus beaucoup de vie, donc ça change pas grand chose. Mais pour le mettre KO comme ça, c'est un frame perfect. Ça arrive rarement. D'habitude, tu chopes une étoile. Surtout que Punch Out, c'est celui sur lequel je me suis moins en. Deux frames perfect, ta gueule. On fait chier. Oh putain, la connexion qui a planté pour le live. Heureusement que j'ai l'enregistrement local. Alors Verhugger, Title Defense, c'est mon Némésis. C'est un Némésis. Mais cela dit, je l'ai tellement train que ça devrait aller. Pinch and release. Pinch and release. Oh, let's go. Oh, tu m'as pas eu. Putain, let's go, j'ai Fantas Try alors que c'est un Némésis, quoi. J'espère quand même que la connexion reviendra, quoi. Sinon, je vais finir ce marathon tout seul. Ça revient, ça a l'air de revenir. Alors, Great Tiger, ça devrait aller. Ok, alors là, si j'arrive à counter ces trois clones ici, on a gagné. C'est gagné. Let's go. Des images précieuses. Bon alors, Don Flamenco, la dernière fois, vous vous rappelez, on avait juste fait gauche, haut, gauche, haut, gauche, haut. Là, c'est un peu différent, mais dans le fond, c'est pareil, on peut le chaîner. En gros, c'est deux coups vers le haut, un coup vers le bas. Là c'est parfait. Là c'est parfait. Oh merde. En vrai, une fois qu'on commence à chaîner, normalement ça va. Ok, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go, ok. Parce que j'essayais de timer pour ne pas avoir à lui enlever sa perruque, parce que si on enlève sa perruque, on perd du temps, quoi. Ok, j'ai plus que 5 combats à faire. Ah oui, aussi, je ferai pas le combat contre Donkey Kong, parce qu'il est pas directement dans le jeu. Pour atteindre les crédits, il est pas obligatoire. Je veux pas avoir le timer, mais si je suis à 1h45, franchement, c'est ma sorte. Non, je suis sûrement plus. Oh, non. Alors, Aren Ryan, je le trouve
plus simple à mettre en place la stratégie du mode title défense que du mode classique. Si j'ai le bon timing, mais de toute façon, je dis ça à chaque fois. Here's one of my favorites, Mike. Raté. Putain ! C'est pas grave, je continue. Ça me prendrait trop de temps de relancer le combat, donc autant y aller comme ça. On va réessayer. Ok, je réussis la deuxième fois, ça va. En fait, j'avais lancé le coup trop tôt lors de la première fois, mais ça, par contre, c'est une strat cachée. Alors, Soda Pop, c'est ultra scripté. Vraiment, si dans ma tête c'est clair, parce que j'ai aucune note, hein. Alors ça, c'est peut-être une erreur, mais je n'ai aucune note. Je fais rien du tout. Depuis le début, j'ai rien. Mais normalement, ça va. Faut juste que mes souvenirs soient clairs. En gros, la logique, c'est plus tu lui mets... à chaque fois que tu lui mets une nouvelle attaque, sans en prendre une, tu mets un coup en plus. Ah merde, j'ai raté. Mais c'est pas grave. Tant que je sais comment me défendre, ça va. Ça va. J'ai raté parce que j'ai oublié que c'était 3 fois, mais ça va. Tant que je prends pas de dégâts, c'est l'essentiel. Et tant que je perds pas mon étoile aussi. Si je réussis bien, je peux le mettre KO en une fois. Merde. Ah bon, ben j'ai raté. Et tant que je l'énerve. Non, ça va. Faut juste pas que je me prenne un coup, sinon bah c'est un peu comme si on repartait de zéro à la fin. C'est clairement pas une bonne exécution ce que je fais, mais j'improvise. Là, je pense qu'il va attaquer vers le haut. Let's go, c'est gagné. Putain, no damage en plus. C'est une route improvisée. Vraiment, je me suis adapté. Parce que j'ai flop 2-3 trucs. Mais ça va. Tant que je me prenais pas de coups et que je pouvais enchaîner encore les dégâts, ça va. Alors, Bad Bull, alors je vais être honnête, j'ai autant de difficultés dans le mode basique que dans le mode title défense. Donc, en sachant que je n'en avais pas eu des masses, hormis la boule charge, ça devrait aller. Alors il faut savoir que toutes les étoiles que je chope, c'est des frames perfects. Alors également, comme dans la version NES en mode dans le circuit mondial, on est obligé de le mettre KO en utilisant des étoiles. C'est pour ça que j'en stocke et qu'il en faut toujours une, sinon il se relève et... C'est obligé, voilà, t'es obligé de le mettre KO avec une étoile. Charles. Let's go, je l'ai réussi. Voilà, je l'ai réussi en title défense, mais pas en mode normal. Et là, on peut maintenir moins. Voilà. Ouf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Oh, j'ai chié! First try, let's go! Ah, ça se passe tellement bien pour le moment.
Allez, putain, plus que deux combats, et puis c'est donc Louis, et puis c'est fini. Mais vraiment, je sais, en plus de 3 heures, ça montre déjà de l'entraînement. Mais réussir en toutes 2h30, vraiment, ce serait une fierté personnelle et un accomplissement. Et surtout un hommage que je rends à la licence Punch-Out, et ça, ça n'a pas plu. Bon, Super Matchman, on l'adore. Voilà, il a perdu. Les agents, les filles, tout vient vers Little Mac, donc du coup, il le déteste. Mais vous allez voir que Super Matchman est une fraude. Super Matchman, en mode title défense, fait la même chose quasi. C'est juste qu'il prend le combo au sérieux, donc il va plus vite. Il est plus rapide car il prend le combo au sérieux, c'est facile. Bogus. Allez, il n'y a plus que deux combats là, dites-vous. Non, pas de bogus. White bogus. C'est un no damage pour le moment. Super Macho Man. Oh, j'ai encore perdu la connexion, putain. Allez, putain. Et il est pas si difficile quand on le connaît, lui. Je sais pas où on en est dans le timer, je sais rien du tout. On redémarre. Pas de question, posée. J'ai flop, mais niveau. Et là, on a eu un meilleur départ comme on a pu en choper deux au lieu d'une. Ok. Oui, alors ce qui se passe, c'est que quand on termine un coup, si on le tape vers le haut ou le bas, on peut le chaîner. Ça s'annonce bien. Allez là. GG! Wouhouhou! Ah! On est en dessous de tout ça! Mais non! On est en dessous des 2 heures, j'en reviens pas! Oh putain! On est en dessous des 2 heures! Mais non! Mais c'est énorme! Bon, terminons le jeu. Il est pas vraiment terminé, je tremble. Alors là, en gros, on va prendre 3 défaites intentionnelles pour terminer le jeu. Est-ce qu'on aura les crédits? Putain. It's time to take your place in history. Je vais le faire. Je suis tellement content, quoi, putain. Ça dépasse toutes mes attentes et ça me rend heureux. Voilà. Je l'ai fait, quoi.
Dans cette sauvegarde, qui va avoir le titre? Qui va prendre le titre? Et c'est King Hippo qui va avoir le titre de champion du monde. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, knockout. Bon allez, je te donne ma ceinture. C'est cadeau, King Hippo, c'est cadeau. Pour atteindre les crédits, je suis obligé de prendre ces trois défaites parce que Mac part à la retraite. Pour Carmen. Je me suis rarement senti aussi content que là en ce moment, mais vous avez pas idée quoi. Là, franchement, si j'achève vite, c'est 2h15 quoi. C'est même pas 2h30, c'est 2h15. Oh, c'est Donkey Kong. Bon, au moins on aura vu Donkey Kong. On aura vu le singe au moins, on l'aura vu. Et voilà. On va bientôt pouvoir time. Time, bientôt. Good job, son. Good job. Ok. Bientôt time. Je redémarre la Wii. Et enfin, le dernier jeu est Doc Louis Punch-Out sur Wii. Ce jeu est assez particulier car il ne s'agit pas d'un jeu sorti en boîte, mais d'un WiiWare que l'on pouvait télécharger seulement si on avait atteint le statut platine sur le programme de récompense du club Nintendo, et en plus, exclusivement aux États-Unis. Donc pour y jouer sur ma Wii européenne, j'ai dû la dézoner et installer le jeu via des pratiques que Nintendo approuve pas des masses. Ce jeu est un court enchaînement de 3 combats contre notre entraîneur Doc Louis lors du tout début de l'entraînement de Little Mac. Un petit retour aux sources pour notre personnage ne lui fera pas de mal pour finir ce challenge en beauté. Allez, le meilleur jeu pour terminer, le WiiWare exclusif aux États-Unis que j'ai pu avoir sur ma Wii car je l'ai dézoné, j'ai installé les DAC et tout. Bon allez, on a 10 minutes. Every journey starts somewhere. Vous allez voir, ces 3 combats, ça va aller très vite. Keep it clean. Dodge. That's the one I taught you. Par contre, cette chanson me donne envie. Enfin, cette musique me donne envie de danser, je vous jure. Block this. No. Come on. Ouch, man. Duck this one. You're too fast. I telegraph that. Block this. What? Come on. Oh. Come on. Les deux. Nice one. Les deux. You get the sweet taste of big. Keep it clean. Come on. That's the one I taught you. Dodge. That's the one I taught you. I telegraphed that. Huh? Come on. That was nice. Dodge. Alors là, il mange sa barre de chocolat, donc ça lui remet full vie. Come on. Oh, come on. Ouch, man. I telegraphed that. What? Go. Ouch. Nice one, son. Duck this one. Oh merde. Come on. Oh merde. Dodge. No. Oh. Go. Ouch. Bon, on va devoir aller au deuxième round, nice malheureusement. One. Come on. That's the one I taught you. Ou peut-être pas, ça dépend. Duck this one. I telegraph that. Non, ça va, pas besoin d'aller au deuxième nice round. One. Allez, plus qu'un. Allez, dernier combat. This old dog still has. Allez, terminons ça. Keep it clean. Keep him up. Oh. Ouch, Mac. Move, baby, move. What? Ouch, Mac. Quick feedback. Huh? That was a big mosquito. Allez, termine-moi ça. Dodge. Merde. Come on. That's the one I taught you. Allez, terminons ça. I telegraph that. What? Oh, go. Check this out. Oh putain. That's ah, il l'a mangé. C'est ce que je voulais pas. Get low. Keep him up. Get low. Oula, j'ai fait n'importe quoi là. That was a big. En fait, normalement, il faut l'empêcher de la bouffer. Mais là, je pense qu'après autant de combats, je commence vraiment à plus en pouvoir. Quoi. That can't be.
I telegraph that. Invented? No. Non, t'as rien inventé. Get low. Come on, Mac. En fait, il dit I invented the Star Punch. Désolé, Doc Lewis, c'est toi le patron. Ok, cette fois-ci, je l'ai contré. Now you done it. You won't like Doc when he's angry. Duck this one. I telegraph that. Duck this one. You're too fast. I telegraph that. I'm finally a fully rounded fighter, Mac. Là, vous allez voir, c'est très drôle. All right, Mac, baby. Ding, ding, ding. Keep it clean. Duck this one. I telegraph that. I telegraph that. Move, baby, move. Huh? Come on. Ouch, Mac. Get low. What? Go on. Oh. Check. Let's go. No. I told you before, son. Huh? Oh. Let's go. Nice time one. Laisse-moi time, allez. Vas-y, on va quand même regarder par respect. Ooh, oui, son. You about ready for some chocolate cake? Vas-y, par respect, on laisse. 2h10, putain. Terminé. 2h09. J'ai détruit mon estimate. Je l'ai anéanti. Let's fucking go. Non, là, vraiment, c'est énorme ce qui s'est passé. Je m'attendais pas du tout à faire ça. Putain de merde. Oh, on l'a fait. Oh, ce game, je suis heureux. Ah, oh. Oui. Wow. On l'a fait. Bon, YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'en reviens pas. Mais alors, si vous savez, ces 10 mois d'entraînement, depuis que j'ai découvert la licence, ont payé. Et plus que ce que je m'y attendais, j'ai détruit l'estimate. Par pitié, abonnez-vous et likez. Là, je pense que je le mérite. Je pense que je le mérite parce que là, j'ai proposé un live et une vidéo. C'est du divertissement, comment on en fait pas, ça? Venez sur Twitch, juste.tv/9k, voilà. De toute façon, vous l'aurez affiché quelque part. Bon, moi, je vais aller célébrer ma victoire. Merci d'avoir regardé. C'est Dichy, portez-vous bien. Salut.